Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Forza Motorsport. On est sur Xbox Series X. Attendez, je sors mes pieds du micro, voilà. Et donc on commence tout de suite, c'est une vidéo découverte. Et on commence par un truc dont je voulais vous parler tout de suite, justement. C'est le premier truc dont je voulais parler. On a trois modes. Donc on a un mode 4K 60 images secondes, un mode avec du ray tracing à 60 images secondes avec une résolution qui va bouger, qui va être variable selon ce qu'il va y avoir à l'écran, et un mode que je n'utiliserai pas parce qu'on est en 4K avec le ray tracing cette fois, mais du coup on est bloqué à 30 images secondes, donc ça pour moi c'est pas possible. Eux ils recommandent ça. Pour la vidéo, on va mettre ce mode là et Activer, non, désactiver 1 sur 2. tais-toi. Donc on va mettre ce mode et puis on verra ce que ça donne. Et puis moi après peut-être que je repasserai sur le mode 4K 60 sans le ray tracing. Mais voilà, pour la vidéo on va essayer. Unis par la passion. Poussés par la compétition. Chaque défi nous rapproche. Chaque seconde est une fête. Et nous nous redécouvrons en repoussant nos limites. Voici une nouvelle ère du sport automobile. Bienvenue sur Forza. Bon, ben ça promet, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Après, j'ai déjà regardé quelques petits trucs quand même. J'ai pris quelques infos, même si c'est une découverte, notamment sur le les améliorations des voitures, ce genre de trucs. Ce sera pas comme dans Forza Horizon où on pourra acheter les améliorations de sa voiture directe. En gros, là, faudra rouler avec la voiture pour les débloquer. Maple Valley est la piste idéale pour mettre la nouvelle Corvette Spirée à l'épreuve. Ce n'est pas une course, mais tu ne seras pas seul, alors garde un œil sur la circulation. Ok. On va garder un œil sur la circulation. On se prépare. On va y aller tranquillement parce que du coup, je sais pas s'il y a des aides qui sont activées ou pas. Au début, peut-être quand même, hein. Ils ont dû mettre le mode noob au départ. Puis après. Freine avant le virage, passe-le en roue libre, puis accélère en sortant. Puis après, on réglera ça comme on veut. Ouais, il y a d'autres caméras, bon là c'est pas mal, mais on regardera les autres après, parce que j'aime bien, moi vous savez qu'en général je joue soit comme ça, soit en capot, j'aime beaucoup la vue capot, mais on va faire le tour et je vous montrerai les autres vues, parce qu'évidemment en vidéo j'essaye de toujours montrer toutes les vues, pour faire plaisir à tout le monde. Alors je vous confirme que là il y a plein d'aides qui sont activées parce que j'ai l'impression que j'étais un peu bloqué au moment de réaccélérer là. Je pouvais pas genre réaccélérer trop tôt et. Ouais, sinon ça freine. Ça freine à ma place. Il me dit seulement maintenant que c'est comme ça qu'on freine. Bah. Ça fait un moment que j'ai appuyé sur le bouton quand même. Moi, je vous confirme qu'il y a plein de trucs qui sont activés que je vais m'empresser d'enlever dès qu'on va pouvoir. Après, là, c'est pour découvrir. Hein. Donc, c'est normal que. Ils mettent les trucs.
Hop. C'est juste un avant-goût d'une séance d'entraînement typique bon. Avec trafic léger. Je vais pas vous donner vraiment d'impression là. C'est pas suffisant. Et puis en plus, avec tout ce qu'il y avait d'activé, ça aide pas trop à se rendre compte. Mais ce serait bien qu'il me laisse choisir un peu mes aides là. Bon, on va pas avoir le même type de voiture. Excusez-moi. Beaucoup de tours de bouclés et plus que quelques-uns à faire. Encore un dernier arrêt au stand pour des pneus neufs et tu seras en excellente posture pour la dernière ligne droite. C'est parti. Bon, déjà, malgré tout, là, ça réagit pas pareil. Par rapport au premier véhicule. On va regarder cette caméra là aussi, j'aime bien. Non, je veux pas rembobiner, laisse-moi tranquille. Voilà, la vue capot en général, moi je joue comme ça. Surtout sur ce type de voiture, on est vraiment au ras du sol. Ensuite, on a une vue route classique où on n'a rien du tout. Hop, hop, hop. On va pas lui rentrer dedans, on va essayer de jouer proprement. On a une vue extérieure, ça je vous avoue que je le dis à chaque fois, mais j'ai du mal à comprendre qu'on arrive à jouer comme ça, encore sur un jeu très arcade et tout, pourquoi pas. Mais on perd vraiment en sensation, puis je sais pas, j'ai... Je veux dire, surtout les gens qui conduisent des voitures pour de vrai. Enfin, à quel moment on prend du plaisir comme ça? J'ai déjà entendu moi quelqu'un dire oui, c'est plus facile pour se placer sur la piste et tout comme ça. Enfin, c'est que quand tu conduis en vrai, t'es censé réussir à te placer correctement sur une piste dans un jeu avec une vue intérieure, normalement. On en a une deuxième qui est encore moins bien. Et on retourne en vue intérieure. Est-ce que je peux réussir à manger à l'intérieur là? Ouais, ça va être tendu. Hop là, on va le prendre comme ça. On va le forcer à freiner pour éviter l'accrochage. On va monter, hop, pardon, on va monter un petit peu sur les vibreurs. On aura eu quelques petits contacts, j'essaie de les éviter, hein. Faut jouer proprement, c'est mieux. Bon, j'aurais pas dit ça, mais... Allez, on continue. Des essais libres aux courses palpitantes. Voilà seulement un petit avant-goût de ce qui t'attend. Prêt à commencer ton aventure en sport automobile ? Yes. Il est ready, le gars. On va le faire avec un accent de mort. Il est tout à fait ready, le mec. Préparons-nous pour ta nouvelle carrière de pilote. Alors. Tu peux revenir plus tard pour essayer autre chose ou pour découvrir les nouveaux. On va se mettre en noir, tiens. Hop. On va faire ça. Hein. Plou, plou. Par contre, on a eu vraiment des succès pour
tout et n'importe quoi. J'ai oublié de faire un truc sur mon téléphone. Voilà. Celui-là va sonner à chaque trophée. L'aventure de votre voiture commence ici. Pour devenir champion de la Coupe des constructeurs, vous devrez surpasser les idées et les constructions de vos adversaires en les affrontant sur le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir ? Plusieurs voitures. Elles constituent toute une excellente base, alors choisis celle qui vous parle le plus. La sélection de la voiture est une première étape importante pour chaque équipe du championnat des constructeurs. Subaru STI, ouais. Une Civic type R. Ça, ce genre de voiture en 2024, celle-là, je crois qu'elle va prendre 30 000 euros de malus. Et la Toyota GR86, qui vaut, je crois qu'elle vaut dans les 30 000 euros à peu près, ça doit varier selon les finitions, elle va prendre 60 000 euros de malus. En gros, vous allez acheter trois voitures. Ford Mustang GT. Alors, je veux bien comprendre que on soit obligé aujourd'hui de faire attention à l'écologie et tout ça, je comprends très bien. Mais quand on voit que ceux qui mettent ce genre de truc en place prennent des jets privés pour se déplacer d'un point A à un point B qui pourrait faire en train tranquillement. Bon. Ça me fait un tout petit peu rigoler. Ouais, en temps normal, j'aurais peut-être pris la Mustang, mais pour changer. C'est ici qu'on crée notre meilleure expérience de course possible en ajustant la difficulté et les règles. Au fur et à mesure que tes compétences de course évoluent, essaie d'augmenter la difficulté pour gagner encore plus de crédit pour acheter d'autres voitures. On va les mettre au milieu. On va les mettre, ça monte à combien? 8? On va les mettre à 4 pour voir. Simulation carburant, pneus, option rembobiné activée, pénalité modérée. On va se mettre comme ça. Continuer après, je pense qu'il y a moyen de changer de toute façon. Moi, je voudrais voir les aides au pilotage surtout. C'est un jeu qui va aussi beaucoup évoluer avec les mises à jour, comme les Gran Turismo. Ok, mais on peut regarder. Ah, et voilà, c'est ça que je voulais. Ouais. Non. Normal. On va laisser sport. Moi, ce que je voulais, c'était surtout que ça freine pas à ma place, quoi. On va sauvegarder. On va y aller. On va commencer l'essai. On va aller voir quel temps cible on a, puis on va essayer de le faire hein, du premier coup, ce serait pas mal. Les essais sont une étape essentielle de chaque épreuve. C'est à ce moment-là que tu pourras perfectionner ta maîtrise de ta dernière configuration sur la piste de l'épreuve. Tu gagnes des crédits pendant les essais. Et nous mesurons tes temps au tour afin de déterminer tes chances contre tes adversaires avant le départ de la course. C'est pas mal. Parce qu'on gagne quand même des crédits même pendant les essais. Donc
Ça, c'est intéressant. Ça donne un intérêt à les faire, finalement. Hop. Terminer un tour en au moins une 06. Ah ouais, c'est plus pareil. Là, je sens qu'elle part de l'arrière un petit peu. C'est quand même plus agréable que de jouer comme on était avant. J'ai freiné un petit peu tard. Donc on va prendre les vibreurs. C'est pas grave. Ils sont là pour ça après les vibreurs, hein, à un moment donné. Ouais, elle part un petit peu du cul quand vraiment on y va un peu fort. Non, on va pas rentrer au stand. Eh ben, j'ai réussi. J'ai atteint le temps que je devais atteindre, le temps cible, du coup. C'était un bonus, ça. D'accord. On n'était pas obligé de le faire. Hop, hop, hop. On va essayer de pas rembobiner. Hein. On va y aller comme ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai atteint mon temps cible dès le premier tour. Donc, à partir de là... Tu pouvais bouger de devant moi. Ah, on vient de gagner un niveau. Alors, je sais pas encore trop à quoi ça va servir, du coup. Alors, on a fait un petit peu moins bien. Mais on serait quand même dans le temps cible. Hein. Donc, en vrai, on est quand même pas mal. Hein. On va essayer de faire mieux, là. Après, comme je le dis à chaque fois, partez du principe que là, en plus, je suis moins concentré parce que je parle en même temps, que parfois je surveille la capture. Bon, c'est une voiture qui est plus joueuse déjà. On sent qu'on peut la faire partir direct de l'arrière. Hop, normalement on est censé se replacer à l'extérieur. Et là on va replonger à l'intérieur. Ah oui, on a fait carrément mieux. Excellent travail. Tu peux mettre fin à l'entraînement dès maintenant ou continuer jusqu'à la fin de la session. Non, on va terminer les essais, on va pas continuer. Bon, un petit coup. Ah, ça fait du bien. On va passer à la course quand même. On va pas faire des essais pendant des plombes. Après, oui, c'est moins fun que Forza Horizon, évidemment. Pour ceux qui aiment les jeux type The Crew, Forza Horizon, Need for Speed, etc. C'est moins fun. Moi, j'aime beaucoup aussi. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur The Crew. Deux vidéos même, puisque je vous ai fait la bêta aussi. Moi j'aime bien, mais je comprends que. Ça nous laisse largement le temps de jauger la concurrence avant le départ de la course. J'ai pas touché au carburant et aux pneus. J'aurais peut-être dû regarder. Histoire de pas trop remplir le réservoir, parce que ça sert à rien de remplir le réservoir pour faire 15 tours s'il y en a 3 à faire par exemple. Parce que tout est optimisé dans les courses, il y a 4 tours à faire. Et en vrai, si j'ai du carburant pour faire... c'est pour faire 11 tours, visiblement. J'ai assez d'essence pour faire 11 tours, vous voyez. En vrai,
C'est pas super utile. Oh là là. Bon, ça c'est toujours le problème quand on est dans le peloton comme ça. Et quand le gars il vient se foutre juste devant moi pour freiner. Ah, j'ai pris un avertissement en plus. Oh là là. Ah bah là c'est pas de ma faute hein. Oh les gars. Mais là, c'est quand même pas de ma faute. Le gars, il fait un tête-à-queue devant moi. Là, je suis pas d'accord. J'ai changé de vue, tiens. On va mettre celle-là. Là, je suis pas d'accord, en fait, parce que j'ai pris une pénalité. Le gars, il a fait un tête-à-queue devant moi, donc... Du coup, je pouvais pas tellement l'éviter. Encore un succès, d'accord. Technique. Pousse-toi. Oh là là, oh là là. Reste concentré sur la pénalité de temps. Très bien, les gens, des pénalités de temps qui pourraient nuire à nos chances de victoire. Oh là là. Bon, je vais peut-être modifier les règles. La pénalité de temps total est d'environ 6 secondes et demie. Ouais, c'est pas terrible, hein. Oh, oh. Je vais peut-être modifier les règles, parce que j'avoue, là, quand ils viennent se rabattre devant moi et que je les touche et que je prends une pénalité, bon, ça m'emmerde un petit peu. Faudrait que je regarde si on peut vraiment personnaliser le truc, parce que je veux quand même garder les dégâts. Je veux quand même garder les dégâts. Et quelques trucs plus réalistes, mais j'avoue... Bon, là on va le faire, parce que sinon je vais prendre un hors-piste alors que j'ai juste raté mon virage. N'oubliez pas qu'on est sur une vidéo découverte. Hein. Je me suis pas entraîné avant. Forcément, tout n'est pas parfait. Puis en condition de course, c'est toujours moins facile que en condition d'essai libre, comme tout à l'heure. On était tranquille sur la piste. On ne rattrapera pas le premier. En plus avec les pénalités qu'on a prises. Ah, j'avais pas vu, il me reste encore un tour. De le rattraper, mais il a l'air d'être rapide quand même. Donc c'est pas sûr que ça passe. Avec mes 6 secondes de pénalité là, en plus, je pense qu'on va perdre quelques places malheureusement. Mais bon, il y en a certaines, je suis quand même pas d'accord. On n'arrivera pas à la rattraper. Il va trop vite, le salaud. Bon, allez, j'ai fait un meilleur tour. J'ai l'impression meilleur que... Beau travail sur la piste. Nous avons terminé P2. Ah ouais, donc je suis quand même deuxième, même avec ma pénalité. Tant mieux. Notre classement de série. Si nous terminons la série en tête du classement, le trophée est à nous. Ok, t'inquiète. On va essayer de se débrouiller. Oula, vous avez vu l'avant de ma voiture, il est un petit peu en marque lui aussi.
C'est un peu enfoncé l'avant. L'événement numéro 1 de la Builders Cup est fini. C'était bon d'y être aujourd'hui. Niveau de pilote, ok. Au fur et à mesure que notre voiture monte en niveau, on débloque de nouvelles pièces qu'on peut utiliser pour améliorer les performances de notre véhicule. Ah, vous voyez, en fait, le niveau qui montait pendant la course, c'est le niveau de voiture qui permet de débloquer des pièces pour cette même voiture. Est-ce qu'on continue ou pas? Parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue non plus. Je pense qu'on va continuer. Entre chaque épreuve, tu auras la possibilité d'améliorer ta voiture. Utilise les précieux points de voiture que tu as obtenus pour acheter de nouvelles pièces de performance. Tu débloqueras de nouvelles pièces en augmentant le niveau de ta voiture à travers la série. Allez, on va regarder ça. Attendez, je me gratte. C'est bon. Performance. En augmentant le niveau de ta voiture, tu obtiens des points de voiture ou PV. Utiliser tes PV te permet d'obtenir les meilleures améliorations de performance. Essaie différentes pièces. Si une pièce ne donne pas le résultat escompté, retire-la. Puis utilise les PV que tu auras récupérés pour en installer une autre. Il n'y a pas deux voitures identiques. Chaque voiture possède son propre ensemble unique de pièces. En augmentant le niveau de ta voiture, tu débloqueras de nouvelles catégories de pièces. Ok. Installer de nouvelles pièces modifiera les performances de ta voiture et son numéro IP sera recalculé afin de refléter ce changement. Ok. L'IP de voiture est déterminée par son niveau de performance. Plus la voiture est rapide, plus son IP est élevé. La classe de voiture correspond à une plage d'IP spécifiée. Chaque épreuve aura une catégorie de voiture et une limite d'IP que nous devrons respecter pour pouvoir concourir. Ok. Oh là là. Toi de garder un œil sur l'équilibre entre la puissance et la maniabilité. Trop investir dans un domaine donné peut nuire à notre compétitivité. Expérimente pour trouver une configuration qui te convient. Ouais, allez. Pièces pour toi et produira une voiture aux performances équilibrées. Laisse-moi tranquille. Ah. Non mais. Ceci est un résumé de l'évolution. Ah, je suis obligé. De ta voiture, bon. Une fois que nous aurons installé ces pièces. Oui, bon, bah, ça fait pas monter grand-chose, mais bon. Mettons-nous en route pour notre prochaine épreuve. Cette configuration m'a l'air plutôt pas mal. Direction Mugello. Eh, compte... là. Non, ça, c'est les réglages de voiture. On va aller regarder aussi, ça peut intéresser les gens. Oh non, laisse-moi tranquille. Allez tester sur la piste pendant l'entraînement et allez configurer. Certaines pièces d'amélioration apportent d'autres options de réglage, vous permettant d'encore mieux maîtriser les performances de votre voiture. Voilà, vous voyez qu'on peut, on peut toucher pas mal de trucs, on peut toucher à peu près à tout. On va continuer. Bon, au moins, il vous laisse pas sans explication, il vous explique à peu près tout. Mais parfois un peu trop même, hein. Laisse-moi tranquille. Changer chaque aide à la conduite une par une est le meilleur. Laisse-moi tranquille. Utilise tes tours d'entraînement pour repousser les limites de cette nouvelle configuration afin d'atteindre ce point au tour 6. Non, bon, on va laisser comme ça. Hein. Bon, faut faire un essai encore. On va y aller tranquillement. Pendant les essais, tu traverseras plusieurs segments sur la piste qui seront essentiels pour tes temps autour. Ton temps est mesuré entre ces segments clés et en améliorant ce temps, tu recevras un bonus de progression de voiture. Ok.
Bon, c'est quand même important de les faire, les essais. Il me semble pas dans mes souvenirs que dans le 7, c'était aussi important. Mais parce qu'avant, c'était... On est censé être devant Forza Motorsport 8, là, mais ils ont enlevé la numérotation. Mais il me semble pas que c'était si important que ça... dans le 7. C'était le genre de truc, tu les faisais pas. Bon, bah, si tu les faisais pas... tu commençais dernier sur la grille, et puis voilà, quoi. Là, quand tu les fais, ça t'amène quand même des bonus pour ta voiture, des crédits. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux améliorer, hein. J'ai pas réussi à avoir le temps bonus là. Je dois être à un dixième, j'ai pas trop eu le temps de regarder précisément. Mais je crois que je suis à... Non, même pas, je suis à quelques centièmes. Mais toi, tu vas me gêner, toi, bouge. Voilà, bouge. Reste derrière moi pendant les essais. Et voilà. C'était ton record sur ce segment pour cette session. Continue comme ça et on atteindra notre résultat cible en moins de 2. J'ai le temps bonus. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté des défis en fait à ces essais. Du coup, ça les rend intéressants. Ça incite à les faire correctement. Parce qu'en fait, il y a des choses à gagner et en plus, il y a des défis à relever. Donc, c'est plutôt cool. Ça me fait gagner des niveaux avec ma voiture. Ça va me permettre de débloquer des trucs. À refaire le record sur ce segment. On va terminer les essais. On va se lancer la course et puis je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Ça fait déjà une grosse vidéo. Accéder à la course, ouais, on va y aller direct. Beau, 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 beau. 24 degrés. C'est en Toscane. On va regarder carburant et pneus. Tais-toi. Hop, on va faire ça. On va mettre moins d'essence puisque il y a
4 tours à faire, donc il n'y a pas besoin d'avoir de l'essence pour en faire 11. Je me suis gardé quand même un peu de marge au cas où, mais... Mais on va essayer de gagner un peu de poids comme ça. Regardez là, je vais prendre pour collision. On vient de me rentrer dedans. Ah oui, merci. S'il vous plaît. Je suis quand même pas responsable du mec qui vient me rentrer dedans là. S'il vous plaît. Hop, on va se remettre avec ma caméra. J'aime bien la vue intérieure comme on avait là, j'aime bien. Ça a l'air pas mal sur tout ce qui est audio. Après, je connais pas la sonorité de chaque véhicule, hein, donc... Je pourrais pas vous dire si ça colle vraiment, vraiment à la voiture ou pas, mais on n'a pas en tout cas cette sensation que c'est été enregistré par exemple derrière une porte, ou on a des jeux parfois où on a l'impression qu'ils ont enregistré les sons à travers une porte. Il y avait vraiment le modèle qui tournait, la voiture qui tournait, hein, mais qu'ils l'ont enregistré avec une porte entre deux. C'est quand même dommage. Après, on s'arrêtera là-dessus. Hein. Ce serait une vidéo bien assez longue. Et en plus, je vais pas vous mentir, je suis du matin. Je me lève à 3h45. Donc, ça pique un petit peu, là. Là, j'ai juste mangé et en gros, j'ai allumé la console direct. J'ai même pas pris de douche encore. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais là, en gros, je suis sorti du boulot, j'ai mangé un truc, j'ai enchaîné cette vidéo, je vais enchaîner le montage et après, je vais aller me poser un peu. Oui, 5 tours de carburant, t'inquiète. Il m'en reste pas beaucoup à faire, donc c'est bon. J'ai encore l'autre qui est devant, là. J'espère bien aucune pénalité, parce que là, j'ai pas vraiment pris un raccourci. Hein. En faisant ma petite glissade à l'extérieur, hein, c'est sûr que j'ai gagné beaucoup de temps. Ouais, t'inquiète, c'est ce que je fais. Allez. Oh là là. Bon, je vais finir par l'apprendre quand même. Hein. À un moment, forcément. Là, il serait temps que ça se termine, ouais, parce que je vous avoue que ça commence à me piquer les yeux. Je reste concentré jusqu'au bout. L'autre devant, j'arriverai pas à le doubler, mais il faut que j'arrive à rester deuxième. Ils ont l'air assez loin derrière moi. Et voilà.
Deuxième. Bien joué. P2. Bien wesh, mon pote. Il y a de la météo dynamique aussi. Bon, là, on l'a pas vu, mais... Mais ça existe. Il ne reste plus qu'une épreuve à disputer dans la série. Allons-y. Alors, on va pas la faire dans cette vidéo. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, certainement pour Spider-Man. Je verrai si je remets une autre vidéo entre deux. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.